Et voilà le boulot. Bon, ça a pris un petit moment, mais ça n'a pas été très 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 long. Donc tout le nécessaire, hein, atelier de chimie, forge industrielle, générateur, atelier et atelier centre d'usinage en gros. Voilà, là il y a tout, j'ai un peu formé en plus. Hein, vite fait. Alors en tout, ça m'a pris à peu près 1 h 30, 2 h. Bref, j'ai enfin fait ma base. Alors cette base, il faut savoir que c'est pas définitif. Voilà, là c'était juste un petit pied-à-terre vite fait pour se refaire, pour refaire du stuff et tout. Et j'y pensais à un truc, aller tamer un giga pour faire des boss, pour avoir du tech et tout ça. Alors on verra plus tard pour le tech, mais au minimum pour faire des boss et pour avoir des super bons loot. Donc on va aller se tamer ce giga, c'est un bon giga j'ai vu, donc on y va direct. Normalement ça devrait être bon, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Faudrait peut-être que je trouve du mouton avant. Hein. Ouais, faudrait que je trouve du mouton parce que si j'ai le giga et je peux pas le nourrir, ce serait quand même assez dommage. Alors du mouton, ça va être vite fait ça, hein. Enfin, j'espère. Allez les moutons. Oh, y a une base là. On va aller checker, hein. On va aller checker. C'est à qui ça? Wokru. En vrai, je pense que je vais le défoncer, hein. On va se garder ça de côté. Même si ça m'a pas l'air d'être une très grosse base, bah tant pis. Hein. C'est bon, moi j'avais une base en pierre, je me suis fait éclater. Vous savez quoi, la justice? On va se faire justice soi-même. C'est-à-dire que une personne nous a pété, on va tous les péter. Oh, y a un giga ici. Niveau 28, c'est un peu de la merde. J'en avais vu un niveau 119. J'aimerais bien l'avoir su 119. Niveau 28, c'est vraiment nul. Bah déjà, il faut les moutons pour commencer. Ils sont ces moutons de mort, là. Ok, là, il y a une base. What, il y a une tourelle. Quoi? Wakanda. Et eux, je les vois un peu partout. Ok, on va aller voir. Je crois que c'est ouvert. Ah non. Ok. Bon, on n'est pas là pour ça, mais bon, écoutez, je pense qu'on va changer d'objectif. Hein. Je trouve pas de mouton. Je ne trouve pas de mouton. Il y a un mec là. Je crois que je l'ai pas vu, lui. Ouah, tu étais énervé. Il est passé où? Eh, ça m'a mis un coup de pression, ça. Base. Elle est où ma base? Base secours. Ouais, j'ai un coup de pression. J'ai envie de le péter. Mais d'un autre côté, je pourrais l'aider. Bah après, même si on s'est un peu agressé, je pourrais l'aider et lui donner du stuff parce que c'est quand même le but. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir si je peux pas lui donner quelques trucs. Là, regardez, j'ai tout ça à donner. Je pourrais essayer de faire ça. On va poser tout mon attirail agressif qui me sert à tamer le giga. Voilà, ça. Ok. Mon fusil, je vais le poser aussi parce que s'il me bute le mec, on va y aller tranquille. Et on va l'aider parce que voilà, on est gentil. On est gentil, même s'il m'a un peu tiré dessus, on reste gentil. Allez, on va pas l'attaquer, on ne va pas l'attaquer. Alors, ok. Ça c'est mon butin, comme vous en rappelez. C'était l'objectif, garder le butin pour le donner aux joueurs qui commencent. On va essayer de le ralasser parce que je suis un justicier. On va prendre tout ça aussi. Allez, on prend tout. Ok. On va essayer d'y aller en paix. C'est pas dit que ça fonctionne. Alors c'est faisable dans Arc. Et si ça dégénère, il y aura plus de justice. Il y aura juste de l'agression, de tout, des faibles, des forts. Tout le monde va prendre dans sa gueule. On croise les doigts. On va aider notre première. Je vais quand même prendre du C4. Ok, j'arrive sur zone. On va essayer d'y retourner amicalement. Même si c'est vrai que dans un premier temps ça a été un peu agressif. Mais c'est pas grave. Lui aussi il commence. Je sais pas si c'est lui du coup. Il est où? Là il y a un cheval qui saute, ça doit être lui. Hello! 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 Hello, hello! I'm friendly! I'm friendly! Hello, I'm friendly! Hi, I'm friendly, bro. Don't worry about me, I'm friendly. You want some I come to give you some stuff. No problem, really. I'm coming in peace. I've got no weapon on me. Don't worry. Really, bro, really. No, don't shoot. I was in the griffin. Look for you. Look.
Take what you want. No problems, really. Ok, ça s'est bien passé. Oh, il a vraiment pas confiance. There is lots of good weapon. I protect you during you watching what is this. Bah désolé pour mon anglais, je fais un peu comme je peux. Laissez-nous rapprocher tranquillement. On va voir qui c'est. Taka. Je crois que c'est une fille, elle a parlé tout à l'heure dans le chat. Allez, allez, confiance en moi. Ça y est, elle a pris confiance. C'est comme un animal. On y va doucement et on prend confiance. Et il prend confiance. You don't want this? Ouais, level 71 commence. Non, non, it's okay. Ok. Good luck! Ah, on a réussi! On a réussi! C'était un débutant! C'est ça là? C'est ça sa base? J'ai pas vu sa tribu, je crois qu'elle a pas de tribu, Taka. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a pris du coup? Ou elle? Oh, je sais pas, c'est un peu rigolé, elle a pris des armes et tout. Alors, est-ce que c'est sa base ça? Parce que si c'est sa base, du coup, je vais pas la péter. C'est un peu incohérent sinon. Alors, Taka, c'est à toi ça? Appartient à Wankru Bloodreina. Donc c'est pas Taka, on est d'accord? C'est pas Taka. On est d'accord. Voilà, toi tu dégages. Lui aussi, je l'ai vu un peu partout. Un peu partout sur Ragnarok déjà. Eux, on les pète. Y a pas de souci. C'est pas une petite tribu. Bon, on va prendre. Hein. On va prendre. Pff. On s'en fout un peu. Là, y a quoi là? Ok, évidemment, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Bon, bah écoutez. Si c'est verrouillé, on déverrouille. Pouf! Voilà, 3, 6, 9, 3, bam, 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 bam. Ouais, t'es parti pour ta main, Giga, mais c'est vrai que ça a un peu dérivé, un peu dévié, mais bon, c'est pas grave. Y'a quoi là-bas, là aussi, là? Les nains. Bon, bah ça, c'est des Français, c'est sûr. Alors, y'a quoi là-dedans? Ouais, que de la merde. Ok. Je suis content, vraiment, je suis content d'avoir réussi. Ah là 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 là. Bon après on a pété un petit mais bon c'est pas grave. Notre karma est équilibré on va dire. On a pété des gros, on a aidé un petit, on a pété un petit. Bon écoutez, moi en vrai je me suis fait péter, tu vois ma base c'était une petite base hein. Il y avait tout dedans mais c'est une petite base. Et bon, et lui là-bas là, là c'est pas un petit lui hein. Wakanda là, celui qu'on a vu ici, c'est clairement pas un petit, faut pas se leurrer hein. S'il y a une tourelle lourde, c'est que c'est pas un petit. Pour faire des tourelles lourdes faut y aller hein. Pour faire ça, un joueur qui juste débute ne peut pas faire ça direct hein. Faut déjà... Mais pourquoi ça la met en haut, le C4? Faut déjà être niveau 100. Moi, j'y suis même pas, hein. Ouais, paf. Oh, bah voilà, plus de base. Alors, y'a quoi ici? Ah, des balles. Bon, on prend, hein. Écoutez, on prend. Et de l'essence, on prend aussi, hein. Écoutez. Bon, bah voilà, petite unboxing, comme on dit dans le jargon. Ouais. Et réalisé sans problème. Allez, bon, on se casse et on va chercher du mouton, du coup. C'est Taka? Taka, it's you. You've got sheep meat, a little bit. Or, you know, where are sheep? C'est Taka, ça? Ouais, je vais peut-être enlever le C4 de mes mains. Ça fait un peu agressif. Ouais, c'est Taka. C'est ma pote, Taka. No, I look for that. Ok. Ok. Bon, il cherche du mouton, donc s'il cherche du mouton, il, je crois que c'est une fille. Je vous dis, je suis pas sûr. C'est quoi ça? C'est un scarabée? On s'en fout. Oh, y a pas de mouton, genre, pile au moment où je veux tamer un giga, y a pas de mouton.
Oh, c'est à quoi ça? C'est à qui ce truc là là? Alors ça, bon, ça je l'ai fait un peu en off, mais je les pète tous. Je les pète tous parce que comme ça je me dis, bah moi je suis ici et personne d'autre peut se téléporter. Des moutons! Alléluia! On a trouvé des moutons! Allez, on va les déchirer! À mort les moutons! Paf! Et ils sont morts! Voilà! Alléluia! Wouhou! Ouais, encore un de mort! Allez, ça décède les moutons! Eh ouais! Tenez, saloperie, vous vous cachiez? Voilà, les moutons! Bah bon, écoutez. Bon, si je retrouve Taka, j'y en donne un peu, je sais qu'elle cherche. Taka! Taka! Où es-tu? J'ai de la viande de mouton pour toi. Parce que je suis trop gentil, je suis le justicier. Et elle est où, Taka? Taka? Taka! 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 Taka, elle était escachée. Elle peut être n'importe où en fait. Elle est peut-être plus ici. Elle est peut-être plus ici. Peut-être là. Peut-être là, non, pas là. What the fuck, il y a une grosse base là? Mais quoi, mais comment ça, je l'avais pas vu cette base? Zouk zouk! Eh mais ça? Ça, ça se pète ça! Lui je le pète. Ok bon, on rentre à la maison, on va conserver la viande de mouton, on va revenir avec du canon et on va péter ce truc là. Et le giga, bah écoutez, je le ferai plus tard.